What's up my playboy, what's up my playgirl? Welcome to ETV Fit, ton émission sport préférée. Aujourd'hui, on va travailler toujours en superset les épaules et les mollets. Pour commencer, on va travailler les épaules en largeur. Vous vous mettez sur un banc assis, vous allez travailler en élévation latérale. Donc, de façon à élargir les épaules. C'est surtout pour les personnes qui ont les épaules assez fermées. C'est un mouvement d'esthétique qui va vous permettre d'avoir les épaules plus larges en chemise ou en débardeur. C'est assez sympa. Ensuite, on va travailler en deuxième exercice, les mollets. Vous allez travailler les mollets debout. Donc, vous voulez les travailler soit sur une machine adaptée ou soit avec des haltères ou une barre. Donc, vous vous mettez sur la pointe des pieds, on monte au maximum et on descend au maximum aussi, le plus bas possible. On monte le plus haut possible et on descend le plus bas possible. Toujours en soufflant, en montant. Troisième exercice, on va revenir sur les épaules et on va travailler les deltoïdes postérieurs. Les deltoïdes postérieurs, je rappelle que c'est la partie arrière des épaules. C'est surtout intéressant pour les personnes qui sont un peu voûtées en avant. C'est une posture que beaucoup de personnes prennent naturellement quand ils ne font pas de sport. Vous êtes un peu courbé vers l'avant. En travaillant le dorsal et en travaillant aussi les deltoïdes postérieurs, ça va vous permettre de redresser le buste et de marcher avec une attitude physique beaucoup plus droite. Sur un banc incliné, vous allez récupérer les haltères que vous allez ramener en arrière comme un oiseau qui vole. Donc d'où son nom effectivement, le butterfly. Donc ça va vous permettre de travailler au maximum la partie arrière des épaules. J'espère que ces exercices vous seront bénéfiques. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission sur ETV Fit.